Personne ne te remerciera de nous avoir rappelé la nature de tous les pouvoirs, de toutes les hiérarchies. Personne ne te remerciera, car nous en serions bien passés de ce rappel, de cette violence, de cette bêtise. Pauvreté, pollution, violence. La priorité est l'évacuation d'un champ de patates à Notre-Dame-des-Landes. Sérieux ? Camarade, quand tu ordonnes, exécutes ou encourages des destructions de lieux de vie, de travail, d'accueil, de partage, d'échange, pour évacuer là un champ de patates, là des vaches, là des brebis, sérieux, tu es incapable de voir le ridicule de cette démarche. Mobiliser tant de forces militaires pour évacuer quelques champs de patates, sérieux, la destruction des sans-noms est un signe fort. Le signe de la volonté du système de détruire toutes les alternatives viables à la finance et à la prédation. Toutes ces alternatives qui pourraient donner des espoirs à toutes et tous. À nous, que nos dirigeants politiques ou économiques exploitent. Les sans-noms nous montraient, et nous montreront encore, qu'ils seront reconstruits, des craintes. Les sans-noms nous montrent qu'un autre monde est possible. Un autre monde existe. Il suffit de le vivre. Comment expliquer qu'a été déployé tant de force pour vider de toute vie ces quelques habitations où résidaient des personnes connues pour leur esprit d'apaisement, leur respect de toutes et tous, leur expérimentation de modes de vie respectueux de l'avenir. Ces personnes osaient participer et oseront encore participer à visage découvert aux prises de parole publiques. Elles osaient et oseront encore exprimer leur avis divergent face à la pensée unique de nos dirigeants, face à la monstruosité de notre société de destruction, de haine, d'isolement et d'exploitation. Merci, habitantes et habitants de la ZAD, par son attaque, par son obstination, par les moyens déployés, ce système nous montre que vous représentez une des alternatives viables à ce monde qui nous tue. Merci. La priorité est l'évacuation d'un champ de patates à Notre-Dame-des-Landes. Sérieux.